Soliesville est un village qui est perché sur une colline au-dessus de la vallée fertile du Gapot. C'est un endroit calme, agréable et surtout très vert, tout en étant seulement à quelques kilomètres de Toulon. On aperçoit rapidement le clocher de son église qui se dresse fièrement, telle une sentinelle, avec les petites maisons du village qui sont blotties autour de lui. Alors bien que on l'appelle Soliesville, ce n'est pas du tout une ville, mais un très charmant petit village. C'est une promenade fort agréable que vous allez faire dans les petites rues pavées, magnifiquement décorées. Il y a beaucoup de vestiges historiques. Et bien entendu, vous allez avoir une vue incomparable sur toute la vallée. La place du village, qui s'appelle Victor Hugo, il y a plusieurs restaurants où vous pourrez vous reposer, prendre un agréable repas ou tout simplement vous désaltérer. Il y a des magnifiques platanes centenaires et il y fait bon vivre. Mais Soliesville n'est pas que cela. C'est un village qui bouge grâce à une équipe municipale dynamique, à ses musées et à son église. Je vous invite à me suivre.
Bonjour Monique. Bonjour monsieur. Eh bien, nous vous recevons avec plaisir dans l'Oustao de Morin-des-Morts, qui a appartenu à notre Jean Ricard, dont nous sommes très fidèlement attachés. En effet, responsable des amis de Jean Ricard depuis de nombreuses années, on œuvre pour conserver cette maison et pour faire vivre l'œuvre de Jean Ricard, qui est souvent très mal connue. On ne connaît Jean Ricard que par Morin-des-Morts, mais en réalité, c'est un poète, un romancier, un nouvelliste, et il a fait énormément d'écrits que beaucoup ignorent. Morin-des-Morts, c'est un roman, c'est... Alors, Morin-des-Morts, c'est un roman qu'a écrit Jean Ricard en 1908. Il a écrit ce roman en retraçant la vie d'un braconnier provençal et il s'est inspiré de tous les amis qu'il a rencontrés en chassant. Parce que Jean Ricard était un chasseur, un fin chasseur d'ailleurs. D'accord. Il aimait parcourir les morts et il chassait beaucoup. Il rencontrait des chasseurs et il en a pris les qualités et les défauts. Et il a raconté son Morin avec beaucoup de verve, avec beaucoup de galéjade. Et c'est un roman qui a été très très prisé par les Provençaux et même au-delà. Maintenant, Jean Ricard n'était pas que ça, comme je vous ai dit en introduction. Jean Ricard est donc né à Toulon en 1948, de mère inconnue. D'accord. C'est-à-dire que son père avait fauté avec une dame qui était une dame de la haute société bourgeoise toulonnaise. Et bien évidemment, on ne pouvait pas inscrire le nom du père sur l'état civil. Donc Jean Ricard a souffert de cette situation, certainement. Parce qu'il a été orphelin très jeune, il a été élevé par ses grands-parents. Et par la suite, il est parti au collège à Mâcon. On l'a éloigné de la Provence qu'il aimait beaucoup. Il est revenu au lycée de Nîmes. Et là, il a eu l'intelligence d'écrire à un ami. Un ami, c'était pas un ami à l'époque, mais à une personne pour laquelle il avait énormément d'admiration. C'était Victor Hugo, qui était en pénitence à l'île de Guernesey. Jean Ricard lui a écrit et a reçu une lettre de Victor Hugo qui l'encourageait, parce que Jean Ricard était très jeune et lui avait envoyé pratiquement ses premiers vers. Victor Hugo l'a encouragé, et de là est née une amitié longue et sincère entre le grand poète Victor Hugo, le grand écrivain, et le petit poète provençal Jean Ricard. Alors ici, nous nous trouvons dans le bureau de Jean Ricard. Sur ce bureau, il a écrit deux choses importantes. Il a écrit le deuxième tome de Gaspard de Besse et il a écrit aussi une pièce qui s'appelle Forbin de Le Testament du roi René, Forbin de Soliès, parce qu'il avait lu dans l'histoire de Soliès que Palamède de Forbin, un des seigneurs de Soliès, qui avait un château à Soliès-Île et dont il ne reste plus que des ruines, était conseiller du roi René. Et il a incité le roi René à donner la Provence à la France en 1481. Donc Jean Ricard a écrit une pièce de théâtre qu'il a fait jouer en 1920 sur les ruines de la Montjoie. Mais il l'a fait jouer par la Comédie Française venue de Paris, ce qui était quelque chose d'extraordinaire pour le petit village. Ça a été vraiment une chose exceptionnelle parce que les comédiens de la Comédie Française, avec le plus grand comédien de l'époque qui était Eugène Sylvain, et puis des tas d'acteurs sont venus à Soliès-Ville jouer cette pièce. D'ailleurs, l'année prochaine, 2020, avec les amis de Jean Ricard, la municipalité de Soliès-Ville, nous avons l'intention de fêter le centenaire de cette pièce. Et on a plein de projets. D'accord. Qui sont en train de naître.
et qui vont être certainement réalisables. Certainement un gros travail. Un gros travail. Alors ici, dans ce bureau, il y a quand même une chose importante, c'est ce tableau qui représente un tableau de Fontaine à Tours datant de 1872. C'est une reproduction, mais il représente ce qu'on a appelé les vilains bonshommes, c'est-à-dire une réunion d'artistes, de poètes de l'époque qui se réunissaient dans les bars, dans les salons littéraires et qu'on appelait les vilains bonshommes parce que bien évidemment, ils défrayaient un peu la chronique. Jean Écart est ici, mais ici, on reconnaît Verlaine et Rimbaud. Donc, d'accord. Il faisait partie d'un groupe littéraire très important. Oui, effectivement, je reconnais Verlaine et puis Arthur Rimbaud, là, oui, effectivement. Voilà. Alors, Jean Écart fait connaissance avec cette maison en venant se promener dans les environs. Il fait connaissance avec cette petite maison blottie contre l'église. C'est ce qu'il répète souvent. Et il est séduit par cette petite maison et il l'achète en 1916. D'accord. La maison où nous nous trouvons. La maison où nous nous trouvons. Il la baptise Loustau de Moranemort. Il est évident qu'il ne vivait pas là au départ. Il vivait surtout à la Garde, au Laurier Rose, qui est actuellement un autre musée, une autre maison de souvenirs de Jean Écart. Il vivait au Laurier Rose, qu'il avait acquis en héritage par sa sœur, par sa demi-sœur. Bon, dans ce bureau, on voit son portrait d'académicien, puisqu'il a été élu à l'Académie française en 1909. Au siège de François Copé, et le discours de réception a été fait par son ami Pierre Loti. Oui. Alors, Jean Écart, à la fin de sa vie, donc, vient s'installer ici, à Solliès-Ville. Il adore cette maison pleine de calme, de sérénité. Et les gens du village sont impressionnés par ce monsieur, qui est un monsieur important, un académicien, qui daigne quand même venir voir le village. C'était un petit village de paysans, qui mourait d'ailleurs, parce que tous les gens avaient été attirés par la plaine. Donc c'était des petits paysans qui travaillaient dans les collines, et ils ont décidé de l'élire maire. Ils lui ont demandé. Malheureusement, au départ, il a refusé. Et puis quand même, il a vu que ces paysans, ces gens, avaient envie vraiment qu'il fasse quelque chose pour le village. Il a accepté et il est devenu maire en 1919.
Voilà la vue qu'avait Jean Écart de sa magnifique petite maison à Solliès-Ville. Ici, vous pouvez voir Solliès-Pont en bas et beaucoup plus loin, vous voyez Cuers. Ici, c'est la Farlède, appelée avant Solliès-Farlède. Nous sommes descendus par un petit chemin muletier et nous sommes arrivés ici, à la fin d'Avoir. C'est le lavoir du village. On voit l'arrivée d'eau qui va s'écouler tout doucement dans la petite fontaine. Pour venir ensuite alimenter les deux lavoirs. Ce lieu s'appelle la Fente d'Avao, c'est le lavoir d'en bas. C'est ici que les bugadières, donc nos femmes qui faisaient la lessive dans le temps. Donc les bugadières en provençal, c'est les femmes qui faisaient la lessive. Elles descendaient avec leur panier de linge, leur battoir, leur savon de Marseille. Et autour de discussions, elles lavaient le linge. Nous sommes devant le musée du vêtement provençal et je vous invite à entrer et découvrir ce musée. Bonjour, je m'appelle Vinciane Megazzini, je suis responsable du musée du vêtement provençal à Solliès-Ville. Ce bâtiment est un ancien moulin à huile qui renferme environ 200 pièces de costumes typiquement provençaux, couvrant la période de 1800 à 1900, période fatale aux costumes à cause de la mode parisienne. Alors, le musée du vêtement provençal est situé dans un ancien moulin à huile qu'on appelle un moulin à sang. À sang, c'est une image parce qu'autant les hommes que les animaux faisaient fonctionner le bâtiment. Donc, on découvre les roues, les meules, où l'on déposait les olives. Comme c'est un moulin à sang, là, ce sont les animaux qui actionnaient les meules, qui les faisaient tourner pendant des heures pour écraser les olives. Ensuite, les hommes ramassaient cette pâte d'olive qu'ils mettaient dans ces sacs, ces scourtins, et disposaient tous les scourtins sous la presse que nous avons ici. C'est là qu'intervenaient les hommes. Ils actionnaient la presse pour écraser les scourtins et récupérer l'huile d'olive. Donc, ici dessous. Voilà, juste à côté, nous avons le bac très abîmé qui a été sorti de son emplacement, mais qui était donc autrefois juste devant, enfoncé dans le sol, et où s'écoulait l'huile d'olive. C'est pour cela qu'on appelle ce bâtiment un moulin à sang. Il était actionné par la force animale et la force humaine. Et c'est un bâtiment qui a été construit en 1772 et qui a fermé ses portes en 1956. Lors du dernier gros gel qu'on a subi en Provence et en France. C'est un moulin à huile qui renferme 6 presses.
Alors, le musée a été créé en 1991 par une association de culture et de tradition provençale qui, au fil des ans, avait récupéré, conservé, restauré pas mal de pièces, de costumes typiquement provençales. Et ils ont décidé, avec la municipalité, un jour, d'installer et de créer dans ce moulin à huile le musée du vêtement provençal, qui est un site, c'est un musée qui est classé Musée de France. Nous sommes devant une très jolie petite paysanne avec sa jupe rayée et ses deux tabliers, le premier de couleur et le second blanc, qui va lui servir pour faire la cueillette. Le musée du costume provençal renferme plus de 200 pièces de costumes typiquement provençaux. Voici la petite mariée provençale de couleur verte olive avec son joli fichu en tulle brodé au point de sarcie. Autrefois en France, on se mariait en couleur, et notamment en Provence, on se mariait de couleur verte olive, la couleur de l'espoir. Dans cette presse, nous retrouvons tout ce qu'il faut pour faire la lessive, la bugade. Donc nous retrouvons le battoir et le savon de Marseille, dont les femmes avaient besoin pour aller laver au lavoir. Au-dessus, un cuvier pour faire la lessive, pour faire bouillir le linge. Et c'est la cendre de la cheminée qui servait de lessive. Alors nous voici devant le costume du paysan avec son pantalon de velours et sa blouse qu'on appelle en Provence une blode. C'est un cache-poussière que les hommes revêtaient pour partir sur les chemins, comme ça arrivés à destination. Ils enlevaient la blouse et la chemise était propre. Ils portent autour du cou un petit foulard qu'on appelle en provençal le suzareil, c'est le sueur. C'est la sueur, pardon, ça lui servait à absorber donc la transpiration quand il travaillait au champ. Maintenant, découvrons la tenue de la petite fille. Il n'y avait pas de mode pour les enfants, ils étaient habillés à l'identique de leurs parents. Donc elle va porter son petit tablier pour protéger ses vêtements de la saleté, le petit fichu sur les épaules et sur la tête, le béguin. Nous découvrons maintenant un trousseau complet de bébés d'une petite fille, issue d'une riche famille d'armateurs marseillais. C'est un trousseau d'une petite fille qui est née en 1886. On voit bien que cet enfant porte sur elle la richesse de sa famille, avec ses petites robes, ses cache-maillots, ses capes. Tout est très travaillé. Les petits bavoirs brodés. S'offre à nous maintenant une cuisine typiquement provençale, 19e siècle, avec une très jolie artisane portant sur ses genoux un bébé emmailloté. Derrière elle, on découvre la pile, la pierre en provençal, pour faire la cuisine, la vaisselle, pardon, plus précisément. Oui, c'est vrai que dans le Midi, on appelle ça la pile. La pile. C'est un évier en pierre, où on faisait la vaisselle. Au centre de la table, on découvre la daubière, en faïence, pour faire le ragoût de viande, la daube. Provençal. De chez nous, effectivement. Et puis ici, nous avons le potager, la cuisinière. Trois foyers, charbon ou bois. Thank you.
Le campanile de l'église Saint-Michel est très délicat et très particulier, je dirais unique en France. Avec Vinciane, nous allons vous faire visiter l'intérieur de cette église Saint-Michel. Alors, nous sommes ici dans l'église de Solliès-Ville. Elle est dédiée à Saint-Michel Archange. Elle date de fin 11e, début 12e siècle. Et son style est roman ou gothique. On a vu le roman pour l'entrée et maintenant le gothique pour les ogives. Notre église, avec ses deux piliers centraux, est une église très particulière, hein, puisqu'il n'y a pas une nef, mais deux, et les piliers cachent finalement complètement le maître-autel principal. Et la particularité de notre église, c'est qu'elle renferme le plus ancien buffet d'orgue de France. Voilà notre autel principal, sculpté avec les 12 apôtres et le Christ, surmonté d'un ciborium qui date du 16e-17e siècle, en fleurs gothiques. De part et d'autre de l'autel, nous avons deux statues. Sur la gauche, nous avons Saint-Michel Archange, patron de l'église, et sur la droite, Sainte-Christine, patronne de Solliès-Pont. Alors, nous avons face à nous le plus ancien buffet d'orgue de France. Le buffet, c'est ce que nous avons ici en façade, sculpté, de style flamboyant gothique. Il date de 1499 et comme l'indique la phrase écrite en latin, il a été réalisé par un frère augustin qui s'appelait Antoine Milani, qui l'a fait tout spécialement pour Solliès, puisque Solliès en latin c'est de solaris, ça veut dire le soleil, et il a sculpté les soleils de Solliès. Nous remarquons que nous avons deux soleils, puisque nous disons que chez nous, le soleil, à solstice d'été, à Solliès-Ville, se couche deux fois. Il se couche derrière la grosse colline sur laquelle Solliès-Ville est accoudée et réapparaît en descendant. On dirait que le soleil se couche deux fois.
Devant nous, le rétable dédié à Saint-Roch. Saint-Roch, vous l'avez au centre, c'est le patron des pestiférés. À droite, Saint-Loup, patron de Soubiesville. Et tout à gauche, Saint-Jacques-le-Majeur. C'est un rétable qui date du 16e, 17e, de style baroque. Là, nous avons le maître-autel rétable du Rosaire, en 16e, 17e, de style baroque, avec au centre une toile, la Vierge, le chapelet, les roses, le rosaire. Ce tableau nous a été offert par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, lorsqu'elle est venue chez nous en Provence en 1661. En se rendant à Cotignac, elle s'est arrêtée à Solliès. Et la particularité de ce petit rétable, en regardant tout en haut, c'est qu'au-dessus du rétable, on voit dans le mur la trace d'une voûte en pierre, puisqu'autrefois il y avait une pièce qui s'appelait la chapelle du Rosaire, qui est tombée en ruine. On a ramené l'autel devant et on a fermé, ce qui donne encore une particularité à notre église. Alors maintenant, il faut savoir que dans cette église se déroulent des concerts tout à fait hors du commun, avec des artistes, des musiciens vraiment extraordinaires. Nous devons tout cela à l'AMSVV, c'est-à-dire l'Association musicale de Solliès-Ville et du Var. Elle est présidée par M. François-Olivier de Sardin. Thank you.
Après cet intermède musical, où vous avez pu entendre les magnifiques sonorités de cet orgue datant de 1499, nous allons nous intéresser à un autre poète provençal, Léon Vérane. Léon Vérane, né à Toulon en 1886 et mort à Solliès-Pont en 1954. Avec ses amis poètes, Jean-Marc Bernard, Tristan de Rême, Francis Carco et Jean Pellerin, initie l'école fantaisiste. Il publie son premier recueil, La flûte des satyres et des bergers, qui sera suivi d'une vingtaine de livres. Éditeur, il fonde les éditions et la revue de poésie Les Facettes, qui paraîtra jusqu'en 1946. Séduit par notre village, dans les années 1930, il achète avec son épouse Marie le café Fournier, situé à l'entrée de la place. Il le baptisa le Tournebride, car les clients attachaient la bride des chevaux aux anneaux scellés dans le mur. Voici un extrait de la poésie de Léon Vérane, Solliès-Ville. C'est là, Solliès-Ville, ce rocher hautain où coulent faciles les jours que me file un heureux destin. Nous terminerons cette belle visite de Solliès-Ville par un dernier regard sur le jardin de Jean Écart et sur sa magnifique maison, Loustau de Morin-des-Morts.